Selon les récentes révélations du magazine américain In Touch, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle serait sous haute tension. Des observations lors de leur dernière apparition publique auraient capté un moment particulièrement chargé d'émotions où Meghan Markle aurait été vue en larmes, juste après que le prince Harry ait prétendument retiré son alliance. Cependant, aucun cliché n'a été divulgué pour étayer cette allégation. Des sources anonymes proches du duc et de la duchesse de Sussex affirment que les tensions seraient en hausse. Le prince, second fils de Charles III, en aurait assez de devoir sans cesse défendre sa compagne contre les assauts répétés de la presse et du public. En outre, il lui reprocherait un excès d'ambition et un manque de tact, ajoutant ainsi à la complexité de leur situation. Pourtant, face à ces sombres présages, Darren Stanton, un expert en langage corporel cité par le média britannique The Express, offre une perspective radicalement différente. Selon ses analyses des dernières apparitions du couple, leur unité serait non seulement intacte, mais également forte. Leur proximité physique et leur interaction révèlent une véritable cohésion. Vous pouvez clairement voir qu'ils forment une équipe solide, explique-t-il. L'expert souligne que, peu importe les défis auxquels Meghan et Harry sont confrontés, ils les abordent ensemble, consolidant leurs liens face aux adversités. Cette dichotomie entre les reportages soulève des questions sur la véritable dynamique au sein du couple royal. Alors que les tabloïds peignent un tableau de discorde, les observations de professionnels comme Stanton suggèrent une réalité peut-être moins sensationnelle, mais plus rassurante.